wonderful freedom in Paris. Yes. Du coup, c'est un président, enfin c'est un ancien politique français qui est surtout connu pour l'appel du 18 juin 1940. Et en fait, cet appel, il a consisté à rassembler tous les Français, à résister contre l'Allemagne nazie. Un choix politique de se mettre sous la figure du général de Gaulle, qui était une grande figure française. Éric Zemmour, aujourd'hui, son principal combat, c'est de rendre la France plus française qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce qu'il considère que l'immigration, c'est un problème, et que aujourd'hui il y a des cultures différentes qu'il a du mal à accepter, mais qui font partie intégrante de notre pays et qui font partie aussi de la richesse aujourd'hui de la France, quoi. Si Éric Zemmour se réclame de Charles de Gaulle, c'est-à-dire qu'il est sérieux dans ce qu'il fait et qu'il veut devenir le président de la France. Mais je pense pas que les étrangers vont voter pour lui. Je sais que dans les interviews, quand il leur pose des questions concernant les étrangers et les immigrés, il attaque directement les étrangers. Mais quand on lui pose des questions concernant, par exemple, l'économie de la France, quel que soit le sujet, il dit voilà, je laisse les experts répondre à ma place. Yeah. You are the best.